Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je profite de mon repos et en plus il fait beau pour vous faire une vidéo qui avait longtemps que je voulais vous tourner. En fait j'ai beaucoup de retard dans mes vidéos et celle-ci ça va concerner tous mes indispensables de l'été, les produits que j'adore utiliser à la période donc printemps-été. Il y en a que je connais et que j'utilise depuis des années déjà et d'autres que je viens de découvrir. Donc voilà, je voulais vous les faire partager. Donc je vais parler assez vite parce que j'ai plein de choses à vous présenter. Donc tout d'abord pour les cheveux, donc c'est important de protéger les cheveux l'été avec le soleil, tout ça, ça les abîme et ça les assèche beaucoup. Donc en shampoing, j'utilise souvent le Solar Sublime de L'Oréal qui est un shampoing donc rénovateur protecteur. Et c'est vrai quand je suis allée à la plage, voilà, que mes cheveux ont été en contact avec que ce soit le chlore ou l'eau de mer, c'est très bien de mettre un shampoing comme ça qui va vous permettre de les réhydrater, de les protéger. Donc voilà, la gamme Solar Sublime est vraiment très ensuite, bien. Pour les pointes, j'utilise toujours dans la gamme Solar Sublime. Donc c'est un petit sérum lacté régénérant après soleil à la céramide et vitamine E. Donc voilà, c'est un sérum très agréable à utiliser que j'utilise en particulier sur les pointes pour les réparer. Voilà, donc j'aime beaucoup cette gamme. J'utilise également quand je m'expose à la plage un spray, donc c'est de chez L'Oréal que je n'ai pas trouvé. Que je n'ai pas retrouvé dans mes affaires, mais je dois l'avoir quelque part. Donc il en existe soit pour protéger la couleur, soit pour hydrater. Et c'est un spray que je me mets à longueur de journée quand je suis à la plage, enfin vous devez connaître. Voilà, qui sent très bon et pareil, qui permet de maintenir une bonne hydratation des cheveux et une bonne protection des cheveux. Ensuite, pour la douche, très rapidement, mes produits préférés, voilà, printemps-été, c'est le shampoing douche des lagons de Yves Rocher que je dois racheter puisque je l'ai terminé. Donc pour moi, c'est vraiment un gel douche que j'utilise beaucoup l'été. Et mon préféré depuis des années et des années, pourtant il en existe plein des super gels douche, mais j'avais vraiment jeté mon dévolu sur celui-ci, c'est le petit Marseillais à l'huile d'argan et fleur d'oranger du Maroc. Voilà, et celui-ci c'est mon gel douche préféré. Donc voilà, même des fois j'utilise l'hiver et du coup ça me dépayse un peu, ça me rappelle l'été. Donc j'adore ce gel douche. Ensuite le soir quand je rentre à la maison, que j'ai pris ma douche, ma crème hydratante entre guillemets pour le corps, je me suis beaucoup habituée aux huiles, je suis plus trop crème. Donc c'est la Nutri Extra de Vichy que je vous ai présentée maintes et maintes fois, qui pour moi sent mais super bon. Oh là là, je pourrais me sniffer les bras pendant des heures tellement que j'adore cette odeur. Voilà, j'adore, c'est de l'huile sèche nourrissante, confort 24 heures, peau lumineuse sans parabènes. Et je trouve qu'elle me réhydrate très bien la peau et elle est super agréable. Donc voilà, c'est vraiment mon gros produit favori pour l'hydratation du corps. Ensuite, toujours pour parler protection solaire, donc pareil, je vous dis, pour j'ai arrêté les crèmes solaires, je suis beaucoup plus huile. Et là, on reste toujours chez Vichy. J'utilise l'huile de protection SPF 40 Capital Soleil. Donc pour peau sensible, sans parabènes, hypoallergénique. Je trouve vraiment ce petit spray très pratique. Voilà, j'aime beaucoup l'odeur, la protection SPF 40 est largement suffisante pour moi et voilà, j'adore. Après pour les enfants, oui, j'utilise des sprays, enfin en crème, mais pour moi l'huile solaire de Vichy est très bien. Ensuite, chose très importante également pour les lèvres, en fait je mets pas de rouge à lèvres, enfin je mets rien sur mes lèvres quand je vais à la plage, mais par contre j'utilise le stick Aven haute protection SPF 30. Je crois qu'il existe aussi le 50, je ne sais plus, mais enfin 30 c'est déjà bien. Donc voilà, le truc tout bête, mais je peux m'en mettre plusieurs fois dans la journée et ça évite vraiment d'assécher vos lèvres. C'est très important, un petit stick à lèvres comme ça. Et j'avais acheté également celui-ci, donc ça peut être en retouche sur le visage. C'est un stick voilà, qu'on dévisse comme ceci et qui est un peu plus large, notamment pour le nez. C'est là où souvent on va prendre un coup de soleil, voilà, sous les yeux et sur le nez. Et donc du coup celui-ci, du fait qu'il soit plus large, il est plus pratique. Et si vous avez des cicatrices également, ça marche très bien. Ou ça peut être un petit tatouage, j'utilise aussi sur mes tatouages. Vous voyez, c'est quelque chose de très pratique, ça, vous le placez facilement dans une petite pochette. Donc voilà, c'est toujours Aven qui fait ça. Il y a peut-être d'autres marques
D'autres marques aussi qui le font, mais c'est vraiment ces petits produits indispensables quand vous allez vous exposer au soleil. Ensuite, on va parler soins visage. Voilà, j'essaie d'aborder un petit peu toutes les rubriques. Voilà, moi j'ai la peau mixte, sensible et déshydratée, donc la totale. Et vraiment, pour les peaux mixtes, nous on a besoin d'eau et pas de gras. Donc pour moi, vraiment, les gels crèmes sont indispensables l'été. C'est des textures qui sont super hydratantes, qui ne sont pas grasses, qui sont assez vite absorbés par la peau, vous pouvez vous maquiller après, tout ça, il n'y a pas de problème. Et vraiment, ça donne un bon coup de fouet à la peau, ça les calme, ça les apaise. Donc, vous pouvez même les placer au frigo, c'est super. Donc, j'en avais, il y en a plusieurs qui existent, hein. Il y a la moisture sorge de Clinique qui, pour moi, est un peu trop faible au niveau hydratation. Il y a l'Hydra Life de Dior. Après, en parapharmacie, vous en avez également. Mais j'ai eu un petit échantillon de l'Aqua Précy gel crème fraîcheur hydratation dynamique pour peau normale à mix de Uriage. Donc là, j'ai presque terminé. Eh bien, j'adore ce produit. Franchement, là, ça fait donc une semaine que j'utilise. Et il est vraiment super, super. Il est très agréable à utiliser. Et il hydrate très, très bien, franchement. Et en ce moment, je le mets le matin. Je me maquille après, il n'y a pas de souci. Donc si vous cherchez un petit produit pas cher de parapharmacie pour vraiment donner un bon coup de fouet à votre peau l'été, je vous conseille l'Aqua Précy d'Uriage. Sinon, chez Clarins, ça fait des années que j'utilise la crème désaltérante. Donc là, je l'ai presque terminée. Et celle-ci, pour moi, elle est top. Donc en ce moment, j'utilise ça le matin, ça le soir. Et j'ai bientôt donc terminé ces deux produits. Je vais remplacer cette routine par quelque chose qui va être très bien pour cet été, c'est l'Hydrance Optimale UV Légère de Avène, qui est quand même numéro 1 sur Beauté Test, avec un SPF 20. Voilà, elle est super connue, je l'ai payée une quinzaine d'euros, il me semble. Et celle-ci, ce qui est génial, c'est que elle a un SPF 20, donc c'est quand même pas négligeable. Elle est pour peau sensible normale à mixte, donc elle peut convenir vraiment à beaucoup, beaucoup de types de peau. Après, si vous avez la peau sèche, il existe la version riche. Mais moi, la UV légère, je vous dis, par rapport à mon type de peau, me convient très très bien. Donc pour moi, ça c'est vraiment un must-have. Et le soir, une fois que je vais rentrer de la mer, voilà, que j'aurai la peau qui aura été un petit peu échauffée dans la journée, je voulais m'acheter le gel crème de Lancôme l'Hydrazène, que j'ai déjà utilisé l'année dernière et que j'ai vraiment... ça a été une révélation, ce produit-là. Mais malheureusement, j'ai acheté un coffret Lancôme avec le démaquillant lait, le démaquillant yeux, non, la lotion tonique, pardon. Et il n'y avait pas le gel crème dans le coffret, il n'existe que la crème. Bon, c'est pas grave, voilà, le prix était vraiment trop canon, je pouvais pas passer à côté. Je crois que c'était 59 euros pour les trois produits, avec les moins 20% de Sephora. Ça valait le coup, sachant que cette crème, elle toute seule, elle vaut même plus cher que le coffret. Donc c'est pas grave, j'ai quand même pris le soin hydratant apaisant anti-stress. Donc là c'est une crème que je n'ai pas encore, j'ai pas encore entamée puisque j'attends de terminer les autres produits. Mais voilà, si vous voulez vraiment une super crème, pareil, qui vous réhydrate à fond la peau, qui soit super agréable, qui sente super bon, je vous conseille vraiment le gel crème de Lancôme. Et pourtant je vous dis, j'en ai testé plein chez Dior, chez Clinique, chez Sisley, tout ce qui est un petit peu gel crème. Et vraiment, c'est celle de Lancôme qui a été pour moi la meilleure. Donc c'est pas grave, cet été je ferai avec le soin le soir, qui aura quand même une action apaisante, hydratante et réparatrice. Et le matin j'utiliserai l'Hydrance Optimale de Avène. Ensuite, pour les parfums, donc quand je vais à la mer, j'utilise toujours l'eau parfumante exotique, sans alcool, c'est important hein, de ne pas mettre de l'alcool, de Yves Rocher. Alors, il me semble qu'ils ont changé le packaging, oui, maintenant ils sont bleus, et j'ai l'impression que c'est un peu moins bien, il me semble même que la bouteille est en verre, donc moins pratique. Bref, celle-ci, ça fait un an que je l'ai, et puis j'avais fait le stock, donc pour moi, voilà. Oh là là, le Monoï, voilà, je m'en mets dans les cheveux, je m'en mets un peu partout, j'adore. Je l'ai toujours dans mon panier de plage, et... voilà, c'est pour moi un indispensable également, ça coûte pas cher en plus. Sinon, en parfum, j'utilise toujours comme d'habitude l'eau de patchouli de réminiscence, que je trouve plus légère que le patchouli pur, mais celle-ci, voilà, c'est mon parfum, hein, j'en mets tous les matins. Et après, j'ai aussi deux parfums que j'utilise depuis des années, je vous en ai souvent parlé. C'est l'Aloha Tiare des comptoirs sud-pacifiques et l'Aquamotu qui va sentir comme REM de réminiscence, mais qui sur moi tient beaucoup mieux et voilà, sent super bon. Donc ces deux produits sentent la mer, le sable chaud, l'été,
Voilà, les comptoirs Sud-Pacifique, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à les sentir. Donc moi, ils en ont mis dans mon printemps. Je les avais même trouvés en 30 ml. Sinon, vous en avez sur Internet. Et après, il y a quelques magasins qui font les comptoirs Sud-Pacifique. Mais je vous assure, c'est des odeurs, si vous ne connaissez pas et que vous aimez ces odeurs un petit peu estivales. Franchement, vous allez craquer, c'est à tomber par terre. Quand je le mets, je vous assure, ça laisse un sillage et tout le monde me dit, punaise, mais qu'est-ce que tu portes, ça sent trop bon, quoi. Donc, c'est mes deux chouchous. Sinon, il y en a un au chocolat, il y en a à la vanille. Enfin, il y a plein de senteurs différentes. Même sur eBay, il y en a. Et franchement, c'est une tuerie. Ensuite, pour le corps, j'utilise comme d'habitude ma Lovea. C'est l'huile sèche scintillante que j'utilise depuis des années, qui coûte dans les 5 euros. C'est de la bombe, ça sent super bon. Ça vous laisse le corps hydraté, agréablement parfumé et un petit peu scintillant. Donc voilà, moi j'en mets été comme hiver. Voilà, j'en ai toujours au moins 3-4 à la maison. Et il est vraiment top. Sinon, ma petite Léa m'avait offert l'huile prodigieuse donc de Nuxe, que j'adore également, qui sent super bon. Bon, celui-ci n'a pas de vapeau, mais ça sent très bon. Après, c'est vrai qu'il est un tout petit peu moins hydratant. La bouteille est un peu moins pratique puisqu'elle est en verre et c'est plus cher. Donc voilà, si vous n'avez pas trop les moyens, la Lovea fera tout à fait l'affaire. Ça reste quand même le petit produit de luxe qu'on aime bien avoir aussi dans sa salle de bain. Et pour moi, voilà, j'en mets tous les jours. Je suis toujours un petit peu irisée, j'ai la peau un petit peu irisée. Et ça fait très très bien ressortir le bronzage. Ensuite, bien sûr, petit déo indispensable, hein, l'été comme hiver pour moi, mais surtout l'été quand on a tendance à transpirer. Donc le Rexona Maximum Protection Clean Sand, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui pour moi est une révélation cette année. Je ne transpire plus depuis que j'utilise ce produit. Ensuite, je reprends mon souffle. Concernant le teint, j'ai bientôt terminé le Capture Total de Dior et je vous avais dit que je comptais peut-être me le racheter. Mais là, pour cet été... J'avais un peu envie de changer, donc je me suis fait faire deux échantillons. Enfin, j'ai testé plein de produits. Mais vraiment, j'ai beaucoup hésité avec deux produits. C'est le Vita Lumière Aqua en teinte 50, qui est vraiment magnifique. Et le fond de teint Touche Éclat d'Yves Saint Laurent. Et finalement, après les avoir essayés sur de longues périodes, je pense quand même que je vais me laisser tenter par le fond de teint d'Yves Saint Laurent. Donc j'ai testé le BR50. Qui bizarrement est quand même assez foncé et pas très rosé. Je trouve que franchement sur moi, enfin il fait pas rose puisque moi j'ai vraiment une carnation jaune, donc il me faut plutôt du beige doré. Et là aujourd'hui donc j'ai mis le BD50 qui pour le coup voilà est vraiment topissime. Donc je vous dis les deux sont vraiment pas mal. J'ai beaucoup hésité entre le BR50 et le BD50 donc qui est beige doré et beige rosé. Mais finalement, je prendrai le BD50 par rapport à ma carnation, c'est ce qui va le mieux. Et cette couleur, voilà, est vraiment en raccord avec le reste du corps. J'ai quand même pas mal bronzé, pourtant je me suis pas tellement exposée au soleil. J'ai là, tous mes derniers jours de repos que j'ai eu ces dernières semaines, il a fait moche, comme par hasard. Donc voilà, mais j'ai quand même la peau en ce moment très très mate. Et voilà, il n'y a pas de démarcation, donc il me convient tout à fait. Ça laisse un teint frais, un teint un peu glowy, il n'y a pas d'épaisseur, ça illumine un peu le teint, ça affine le grain de peau. Franchement, voilà, il est vraiment excellent. Donc je vais me l'acheter, voilà, j'attends une semaine ou deux, pour me l'acheter. Mais vraiment, le touche éclat est vraiment magnifique. Après, vous voyez, tout ce qui est fond de teint comme ça, assez léger. L'année dernière, pour m'exposer à la plage, j'utilisais donc la bébé crème d'Arborian, qui a un SPF 20, il me semble. Ouais, je crois que c'est 20 ou 25. Après, vous avez aussi les CC crèmes. Donc, les CC crèmes, en général, elles ont un SPF plus important. Vous pouvez en mettre pour vous exposer à la plage, mais je trouve que ça reste quand même des produits de maquillage. Donc, c'est pas l'idéal. L'année dernière, j'ai pas mal bronzé, mais... je pense pas que j'avais une très très bonne protection quand même. Enfin voilà, pour moi c'est du maquillage. Là j'avais vraiment envie de trouver une protection solaire qui soit teintée ou non, mais qui me donne cet effet bonne mine, hydratant, teint unifié et qui a un bon SPF, qui soit vraiment spécialisé dans une gamme solaire. Donc avec les moins 25% de Sephora, je me suis laissée tenter par ce produit. Donc c'est nouveau, c'est le Soleil Bronzer, c'est une crème protectrice lissante, bronzage lumineux et homogène pour le visage. Donc vous avez 30 ou 50, donc la 50 il me semble que je l'ai swatchée chez Sephora qu'elle était teintée. Et c'est une bébé crème. Donc moi je me suis dit bah non, 50 c'est trop pour moi, je vais prendre la 30.
Et je viens de voir juste avant, là, en tournant cette vidéo, qu'elle est sortie blanche, puisque je l'ai achetée il y a 2 jours. Elle est blanche, mais par contre, il y a une différence. Je l'ai appliquée sur cette main-là. Et vous voyez, ça reste lumineux. Ça va pas faire boule à facettes non plus, hein. Mais alors, déjà, ça sent super bon. Ça sent vraiment super bon. Et ils disent que ça, vous voyez, par rapport à l'autre, il y a quand même une différence. Et donc, ils disent que vous avez une super bonne protection optimale contre les UVA et les UVB renforcés jusqu'aux UVA longs. C'est né de l'alliance d'un système filtrant à large spectre, d'un actif antioxydant et d'une trilogie d'huiles précieuses. Elle préserve idéalement la peau d'un vieillissement accéléré photo-induit et d'un bronzage La terne. peau Et nourrie, lissée, efficacement protégée. Elle se pare d'un bronzage lumineux, homogène et durable, au finish satiné, d'un éclat exceptionnelle et elle est formulée pour résister à l'eau. Donc voilà, j'ai trouvé ce produit super bien pour aller à la plage. Voilà, ça me fait une bonne protection solaire, ça sublime le bronzage, ça protège, ça nourrit, ça hydrate. Donc voilà, franchement, j'utiliserai plus de BB crème ou de CC crème avant de m'exposer. Je pense que ce genre de produit est beaucoup plus adapté, voilà, pour aller au soleil. Voilà, j'ai fini, je crois, pour les soins. Donc, on va passer au maquillage.